Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du coup épisode 3, je pense, je sais pas, j'ai pas encore commencé à monter à l'heure actuelle, donc on verra bien. Coucou! Voilà, je suis là. Alors du coup, où on en est? Qu'est-ce qui se trame? Comment ça se passe ce PVP? Alors ça se passe que la base j'ai un peu avancé la base. Voilà, vite fait, en off, hein, on va pas tout faire en vidéo, sinon ça va prendre du temps. On a les premiers trucs, voilà. On a du fer qui cuit, on a des narcotiques, on a de quoi faire de la poudre d'étincelle. Donc on va en faire, voilà, pour passer à l'âge de la poudre à canon. On a de la bouffe ici, on a des structures, des machins, des bidules. Bon, niveau stuff, voilà, hein. Vous avez pas eu de temps de trop voir, mais on en a pas beaucoup. Joie Gaming dort pour l'instant. C'est pour ça que j'ai le bon micro. Hein. C'est pour ça que j'ai le bon micro. Il va pas venir en vocal. Je pense que je serai solo pour cet épisode. J'ai fait une mezzanine. Voilà. Parce qu'on est quand même dans la forêt de Sequoia. Et du coup, il fait froid. Et quand on a une mezzanine, ben, ça conserve la chaleur. Hein. Ouais. Alors, j'ai tamé un diplodocus, histoire de m'aider à farmer les graines et les baies. Alors, un diplodocus, c'est un tame extrêmement long et passif. C'est-à-dire qu'on l'approche, il nous met des coups de tête, quand même, parce que c'est un diplodocus sauvage. Et on lui donne des baies à manger. Et ensuite, après, on peut farmer. Paf ! Voilà, plein de graines d'un coup. Donc pratique la bestiole. C'est avec ça aussi que j'ai fermé le fer. Parce que bah, il porte beaucoup de choses. J'ai mis full poids. Voilà, comme ça il peut porter. Après, il est pratique. Mais c'est pas le dinosaure le plus maniable. Je pense qu'il va falloir trouver autre chose plus tard. Mais c'est juste là pour se dépanner. Voilà, bon, en gros la base elle ressemble à ça, hein. Je vais essayer de sortir pour vous montrer un peu l'ensemble de la base. Voilà, là c'est juste, hein, pour vous montrer un peu comment ça avançait. Donc ça avance plutôt bien. J'essaie de me connecter quand même assez souvent. J'ai tamé des paras en plus, des terras pardon, en plus, histoire d'en avoir un rechange et commencer à faire des repros. Voilà, donc la base c'est ça. Ici on a mis une petite dino porte. C'est le truc un peu flag, mais bon c'est pas grave. Pour l'instant, on est là. Va falloir quand même assez vite avancer, je pense. Parce que là, on n'est vraiment pas protégé. On peut nous piller et tout nous détruire très rapidement. Et du coup, je reprends les vidéos, la série, parce que j'ai fait une découverte incroyable. À côté de chez nous, est-ce qu'il n'y aurait pas un mec qui est venu s'installer par hasard? Je pense que ouais, hein. Je peux vous affirmer que oui, parce que je l'ai vu. Donc, on va se poser là. Non, non, là. Paf, ici. Et on va observer un peu. C'est ici. On va observer un peu. Vous voyez, il y a de l'activité. Hein. Donc le mec, il est probablement connecté. C'est quoi, c'est tribu de Joséphina. Et Joséphina, je vais te mettre à terre. Je vais la mettre à terre, Joséphina. Mais pour ça, faut que j'aille tamer un truc. Un mégalocéros. C'est un truc qui est assez facile à tamer. Et qui permet de se défendre. Parce que le Ptera, il peut pas me défendre quand je me fais attaquer dans la forêt. Et le Diplodocus, bah, je vais pas me balader avec ça. Donc du coup, il me faut un Mégalocéros assez gros level. Alors Mégalocéros, c'est ça, hein, on dirait un mouton. Level 95, il est nul. Il m'en faut un. Il m'en faut clairement un. Là, il y en a un, là. Allez, dis-moi que tu es gros level, toi. Ça, c'est très pratique, en vrai. Par contre, ça porte pas beaucoup. Mais c'est pas grave, au minimum, moi je porte, lui il porte un peu. Et on peut se défendre contre les petites bestioles, quoi. Les petites, pas les grosses, mais... Du coup, je me suis fait ma petite longue vue, là. Hein, histoire de voir les levels des dinos. Quand même pratique. Oh, il y a un drop rouge. Je pense pas que je puisse les prendre. Bah, il checkait quand même. Bon, c'est dangereux, les drops. Faut quand même faire gaffe. Je pense que c'est un point de rendez-vous. On peut croiser des joueurs. Vas-y, c'est level combien? Y'a rien! Vas-y. Il a déjà été fait, donc ça veut dire qu'il y a des joueurs dans le coin. Hein. Faire gaffe quand même. Mégalocéros. En vrai, 90, vas-y, je vais le prendre. Bah, écoute. Paf! Eh merde, j'ai oublié de faire ça.
Eh, t'es bloqué, mon pote. Hein. Tiens, tu vas dormir. Voilà. Allez, dors. Dors, bouge. Endors-toi. Dors. Mais il faut quand même une flèche. Pas vrai, ça. Van Deliu. Ok, il a dormi. Ok, très bien. Alors, on va lui mettre des baies, des bonnes petites baies, des méjoberries. Voilà. On va le tamer. Hein, méjoberies. Il en faut beaucoup, je pense. Bon, tiens, je commence à les remettre. Tiens, je vais partir vite fait. Je vais poser mon ptera. Et je vais revenir avec une selle de Mégalocéros pour pouvoir aller piller la tribu de Joséphine. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que, voilà, là, la personne s'est installée à côté de nous. Donc, on va pas du tout tolérer ça. Donc, on va le mettre à terre. Joséphine, je suis désolé pour toi. Alors, Mégalocéros, j'avais déjà une selle, je crois. Hein. Et ouais, on est organisé, hein. On est organisé par ici. Hein. Quoi et quoi. Ok, on va faire la poudre à canon maintenant. Voilà, nickel. 700 poudre à canon, très bien. J'ai beaucoup farmé, hein. Histoire de, quand on est en vidéo, histoire de pouvoir faire des choses et pas vous montrer comment farmer, comment donner des coups de pioche dans des rochers. Ça, on va éviter. Hein. On va éviter, on va se concentrer sur l'action. Et voilà. Boug, réveille-toi. Allez. T'es pas beau, hein. T'es pas beau. Ok, faut vraiment faire attention de pas se faire capter par les joueurs. C'est très très dangereux. Les joueurs... Ils attaquent à vue. Ils attaquent à vue, vraiment. Il y en a un qui est passé tout à l'heure. J'ai dit salut. Et il m'a dit salut. Et puis après, il m'a buté. Bon, hein, c'est normal, c'est du PVP. Mais bon, on s'attend quand même à parfois un peu de rapport cordiaux entre êtres humains. Mais je pense que c'est pas possible. Donc il va vraiment falloir faire attention. Pas se faire régresser. Ça, on va diviser la pile de moitié. Voilà, ça dégage. J'en garde un peu sur moi, des baies comme ça. Comme ça, je vois que si je commence à me faire attaquer par un joueur, un troodon ou quoi, j'en mange beaucoup et je me réveillerai. Bon, du coup, lui, il est bon. Voilà, paf, si vous voulez le nommer, bah écoutez, les commentaires sont là pour ça. On va le mettre en mode attaque ta cible. C'est quoi, c'est. Ok. On va se mettre une flèche dans l'arc. Lui, on va le prendre et on y va. Ah, c'est pas mal, cette petite bestiole. On est quand même plus en sécurité là-dessus qu'à pied, non? Hein? Je vais le faire un peu level up. Je vais vous montrer comme il est fort. Enfin, il est fort. C'est pas un truc non plus de ouf, hein, mais bon. Allez, défonce-le. Attaque. Attaque, bordel. Vas-y, défonce-le. Regardez le diplodocus. Prends trop cher. Allez, il blocus. Vas-y, crève. Bute-le, fume-le, défonce-le. Voilà, regardez, peur de rien. Vas-y, Mégalocéros. Bon, je vais t'aider un peu parce que tu m'as l'air de galérer quand même. Mon Dieu, quel bordel. Vas-y, on lui coupe les pattes, on lui coupe les tendons. Vas-y, on lui coupe les tendons. Oh, il a défoncé, vas-y, allez. Eh, merci. Bon, du coup, on va prendre de la viande supérieure crue. Il doit en avoir. Ça a été un peu long. Mais c'est plutôt pour me protéger contre des petites bestioles. Hein. Contre les grosses bestioles, ça marche pas trop. Et du coup, il saute, hein. Il peut sauter. Et c'est très pratique parce qu'il va très loin en sautant. Allez. Pouf. Ok. Pouf. Voilà. Très bien. Oh, il y en a un autre là-bas. Il est level combien? 25. En vrai, si je me fais une armée, je me fais suivre par... par 2-3 trucs comme ça. Oh, 135. Vas-y, lui, viens avec moi. Hein. Toi, tu vas venir avec moi. T'es beau en plus. Mais... Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. T'es un fou? Bon, on le fera plus tard, allez. On va d'abord aller piller Joséphine. J'ai même plus de flèches narco, de toute façon. Oh, c'est quoi ça? Ok. Alors, je sais plus où elle habite, Joséphine. What? Terror Bird? Oh, putain. Pourquoi elle meurt pas?
Non, terre à bord, par contre, c'est dangereux. J'ai pas envie qu'il meure, mon truc, là. Pas déjà. Vas-y, défonce-les. Oh, il y en a trois. Non. Non. What? Vas-y, c'est des malades. Mon Dieu. Je crois qu'il y en a qu'un. Après, c'est Arc, hein, pour tout temps, cacahuète. Alors, tribu Joséphina, c'était par là, non? Ouais, c'était par là, je reconnais. Je reconnais. Y'a quoi, là? Ok, Megaloceros. Ok, alors on va checker ce qu'il y a ici. Rien. Ça. On jette. On la met à terre. On la met à terre, Joséphina. Plus rien. On lui laisse rien. Ça, on prend. Ça, on prend. La pierre, on jette. Ouh, oh, on va prendre ça. D'accord. Ben en vrai, on va se faire de la poudre à canon ici. Là. On va utiliser toutes ces ressources. Il y a quoi là? De la viande, on jette tout. La viande pourrie, je vais peut-être la garder en fait. De la viande pourrie gratos, tiens, viens là toi. Tac. Ça, on jette. Ça, ben on jette ça, on s'en fout de ça. Ben, le but, c'est vraiment qu'il lui reste rien. Voilà, comme ça, elle se dit, oula, oulala, ici, faut pas que je reste là. Je me suis déco, je me suis fait piller. Ou je suis parti aller chercher un truc. What? What, 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 what?